Bendy London était un chasseur du paranormal, le meilleur des chasseurs, le numéro un dans le domaine du paranormal. C'était un homme distingué, doté d'une grande intelligence. Lors de son dernier reportage en 1930, Bendy London nous a fait parvenir des images de ses dernières découvertes sur le chemin du paranormal. Un chemin bien souvent parsemé d'embûches auxquelles Bendy London était bien préparé. Comme nous le voyons sur ces images, après quelques minutes de recherche ardue, Bendy London trouva par hasard un tunnel qui lui sembla des plus paranormales. Ignorant la peur et le danger, Bendy London s'introduit dans le tunnel sans même savoir ce qu'il se trouverait de l'autre côté. Une fois le trajet complété qui le mena de l'autre côté du tunnel, Bendy London se mit à la recherche active d'espèces pouvant habiter ce monde paranormal. Quand soudain il aperçut au loin une créature qui semblait des plus paranormales. Après une étude de la créature, Bendy London se fit proposer par la bête de parcourir la contrée du paranormal à ses côtés. Jusqu'à ce jour, la disparition de Bendy London reste l'un des plus grands mystères. Mais la communauté du paranormal s'entendent tous pour dire que la bête y a sûrement joué un rôle.